Bonjour, aujourd'hui, une autre astuce sur Excel, c'est comment convertir les nombres en lettres en français grâce à la fonction let. C'est une fonction qui existe sur Office 365 et grâce à cette fonction, donc, on a pu réaliser ceci. Comme vous voyez, j'ai fait donc ici des chiffres aléatoires, ici leur conversion. C'est 3009, 3009 euros, 3100 euros, 96 centimes. Ici les milliers, ici les millions, ici les centaines, etc. Grâce à la fonction let seulement, pas de VBA. Donc voilà. C'est vraiment, il est un peu compliqué, c'est vrai, mais grâce à cette fonction, on peut remplacer les VBA comme vous voyez ici donc. 529 euros 50 centimes, 56 centimes. Ici, 424, 865, 13 centimes. Ici, 2332 euros 57 centimes, etc. Grâce à la fonction let. La source de cette fonction, c'est dans ce site www.excelexercice.com. C'est une fonction qui est développée dans ce site. Il lui a pris à peu près 6 jours de développement pour obtenir ce résultat. C'est lui qui a fait ceci. On tourne ici. Donc, ça marche très bien. J'ai un petit peu raffiné quelques positions. Mais ça reste très bonne astuce, même s'il est un peu compliqué. Moi aussi, j'ai essayé de comprendre, mais ça demande beaucoup de temps pour. Voilà, donc je vais mettre ce fichier en pièce jointe. Et à la prochaine.